Ah, bon Dieu, nous bénissons parce que ben opportunité ça pour nous capable là, c'est un privilège lié pour nous chaque fois que nous avons occasion pour nous citer nous, pour nous dialoguer avec vous et surtout pour nous partager parole avec monde qui a nécessité pour parole là. Nous vous remercions pour toutes choses, on va continuer de verser grâce et bénédiction sur nous. Sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Et on a tant d'interventions parce que nous sommes capables de faire de grandes choses et même plus que ça, nous croyons penser ou demander. Chaque fois que nous campons devant, nous avons garanti qu'on va agir et qu'on va faire des choses que nous n'avons pas faire. Que parole ça a touché le cœur, touché l'âme, touché l'esprit, impacté le monde. Pour nous capables de gagner des chrétiens transformés, régénérés, une église transformée, des chrétiens prêts pour entrer dans le royaume ciel. Toute gloire est allée, tout c'est pour vous. C'est dans nos Jésus que nous prions. Amen. Eh bien, la vie du roi Ézéchias, Marion ça a titré la prière victorieuse d'Ézéchias. Nous sommes toujours à l'introduction. Nous avons commencé à introduire ce Marion. On a continué. Nous avons une défaillance. La caïwa Ézéchias. Qui dans un premier temps t'es placé toute confiance dans le bon Dieu. Après ça, monsieur vient chuter. Les chuter, m'a vienne prendre ça Ézéchias fait comme un objet de critique. Pour m'a critiquer parce qu'en plus fois nous critiquer monde parce que nous pas dans place yo. Quelquefois sous dans place mon nom t'es réagir puis mal passé. Hein? Quelquefois, critiquer mon nom parce qu'on va dans la place. Les plus bon aussi, vous conseillez mon nom. Vous dites là, mon cher, si vous êtes dans la position, je ne vais pas agir comme ça, non, mais comment je vais agir? Vous avez le conseil. Mais qui ça, ça a utile? Vous avez dénigré un monde. Vous avez critiqué un monde. Qui ça, ça a utile? Vous avez utile rien. Hein? Donc, on ne suspend critiquer mon, on nous mette dans la position, dans la place. Li. Peut-être ça c'est une barrière qui va aider. Ézéchias tombé 13 ans après le fin de placer confiance dans le bon Dieu. Mais 3 ans après que Ézéchias fin tenté satisfaire l'ennemi, à cause de l'or. Avec l'argent, disons les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi que M. Tebayo, le roi d'Assyrie. Alors que M. pas quitté Ézéchias sans repos, non. Mais s'est retourné encore avec une puissante armée pour exiger beaucoup plus. Vous mettez les 2 rois 18 là, regardez verset 17. Rivé dans verset 25, ou après ça, oui. Monsieur retourné encore avec une puissante armée, côté que les voyait rabchaké et n'est que monté pour yon terrasser Judas tout entier. Ça me connaît l'ennemi, hein? Même si ou négocié avec l'ennemi. Ou pas dans quelle négociation avec l'ennemi. Non. Yon l'ennemi, retourne l'ennemi. C'est fini. Ou dans négociation avec l'ennemi. Alors, je parle de l'ennemi. Je parle de comment son monde qui est l'ennemi. Non? Le diable qui a utilisé son monde. Et le diable qui a utilisé n'importe quel monde. Oui? Le diable qui a utilisé mon cravate, souche, mon veste. Mon manche longue qui est dans le choral, qui a chanté, fait vocal. Évangéliste, prédicateur, n'importe quel le diable qui a utilisé. Pour attaquer ou pour le joindre nous. Ce n'est pas lui que l'ennemi. Hein? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais l'ennemi, hein, c'est le diable même. On va dans une négociation avec le diable. On va dire pardon à demander le diable. Et le diable, c'est camper devant nous, bataille sans prendre souffle. Pour les mêmes boules baisser tête devant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez? Bataille sans prendre souffle, bataille par la parole.
bataille par la prière, bataille par la puissance de Dieu. Lorsque trois pésaïs ont campé devant l'adversaire là, et c'est lui qui a tombé devant. Parce que l'adversaire n'a pas de chance vraie. Ça fait que le monde le diable a pu utiliser pour nuire, pour déranger ou persécuter. Même si elle propose des amis, il n'y a pas d'amour vrai. Je dis qu'elle propose des amis, des amis bon coup qui pirent. Ça fait qu'on a besoin très prudent avec ces personnes-là. Parce que regardez, n'est-ce que fin fait Ézéchias, fin bal pression, bal tous les trésors de la maison de l'Éternel, de la maison du roi. Trois ans après, ils ont retourné avec une puissante armée pour venir créer plus de problèmes toujours. Et les gars dit Ézéchias, fais une convention avec Metla. Bye, mais ça pour bye, mais ça pour bye, mais ça pour bye. D'ailleurs, pas qu'à repousser à même se mettre dehors, pas qu'à faire avec. Et puis, ou à venir bye blague là, c'est bon Dieu même. Ouais, mensonge que les gars utilisent ce nom de Dieu. C'est bon Dieu même qui dit, voyez ou à la série à monter pour venir détruire. Trois ans après. Et c'est ça qui fait, faut faire très attention parce que l'homme et le diable on pousse. La vle prend un point. La vle prend plus. Ou ap mette vie ou vie spirituelle ou relation avec Dieu. Ou ap mette l'enjeu, en danger même. Parce que le diable va vouloir beaucoup plus. Nègre venait avec une lettre blasphématoire, rabchaké. C'est comme si la montrer Ézéchias ou pas en rien. Bon, ça me soit fait à bon non sens tout, oui. Pourquoi ça fait le bon? Parce que ça l'a fait, pral permettre Ézéchias ressaisir pour retourner compter encore sous bon Dieu. Et souvenez dans le chapitre 19, là, c'est la noyé, verset 9 à 14. Ou après qui ça, ou à d'Assyria te voye dit. Mais maintenant, l'ennègue fin vin avec cette lettre blasphématoire. Ça qui belle dans le bagay là, que me remet. Dans verset 14 là, Ézéchias ressaisit. Et ça me remet. Ouais. Moun bon Dieu yo. Bon Dieu tracé destiné yo. Route yo. Bon Dieu gen plan pour yo. Pap jambre ta tenet. Moun sa yo ka tombe. Mais ap levé et puis yo continue marcher. Regardez verset 14 là. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Et la déploya devant l'Éternel. Missy est venu retourner compter sous bon Dieu encore. Ézéchias retourna à la source. Ézéchias prend la charge. Il dit, cette charge ne m'appartient pas. C'est la charge de l'Éternel. Et il est venu déposer la charge devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oui, nous sommes Josaphat, oui, dans 2 Chroniques, chapitre 21, dans verset 12, là, qui dit, « Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Les Maonites, les Moabites, les Édomites, nous sommes ensemble. » Pour devine attaquer Judas. Et il est venu, monsieur, bataille la trop pour lui. Là, il dépose l'Éternel. Voilà, c'est ça Josaphat et Ézéchias fait. Il retourna à la maison de l'Éternel. Il retourna à la source. Monsieur réagit, il fait bonne réaction là. Contrairement. A ça, il te fait, les nègres te viennent by pression, qui te by tout l'eau, tout l'argent, qui la caille, dans la maison, bon Dieu. Eh bien, monsieur retourné
à la raison. Zami mande au matin, jodi à la pendant attendre message là, gagne mon capteur dès le matin, gagne mon capteur dès le midi, soit je ne sais pas. Mais quel que soit côté là, l'heure attendre là besoin comme ça. Des niveaux de combat ou là-dedans, c'est pas où pour engager. Ça dépasse compétence ou, les dépasse force ou, remettez le combat à l'Éternel des armées. Net. Remettez-le. Ben l'Éternel des armées, qui sortez, ou pas non rien, ou pas font rien, ou pas faire quoi que ce soit. Remettez-le ben l'Éternel. Net. Remettez-le à l'Éternel des armées. C'est bon Dieu qu'on ça l'a fait. Ou prend trop babou, trop charge, son café, qui mounouye, qui laisse, quand on saute, hein, pour ce ou kabine prend babou ça, oh oh, ah, ou prend trop babou, babla babou, la gaffe fait l'Éternel Bali, baloui, la gaffe fait l'Éternel Bali, retournez à la source de victoire, la source de miracle. La source de guérison, la source de délivrance, retournez à la source. Pas gain deux voies, non là, Ézéchiel, soit le soumettre à Sankérib, ah, ou bien il choisit la meilleure part, la répandre cœur lit devant le Seigneur pour mon Dieu capable agir. Et cette prière, nous allons l'analyser de plus près. Et cette prière, ça nous allons l'analyser là, oui. Là, nous parlons de la prière victorieuse. D'Ézéchias, c'est cette prière que nous allons devoir analyser. Et monsieur, certain bon Dieu a pensé d'une pile bagaille là-dedans. Parce que, il y a nous qui about, il y a nous par contre ça pour nous faire encore tête nous chaud quand pour faire l'homme. Eh bien, dans tant ça nous est là, c'est le moment de remettre la charge à son maître, la charge à un maître, le fardeau à un maître. Alléluia, mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Papa chéri, nous bénissons, parce qu'on continue de parler ensemble avec cœur nous. Aidez-nous à prendre une décision pour nous prendre tout fardeau et déposer au bas. Oh, leur parler, papa, toute l'éternité envahie. Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie. Merci parce que tu as contrôle de toutes choses. Et même des bagailles que nous-mêmes, nous ne sommes pas contrôler. Je dis à nous, dans la vie, ou à Ézéchias, nous avons essayé d'apprendre certaines leçons qu'on quitte pour nous là-dedans. Pas seulement quitter nous, lire, tendre, comprendre. Mais aidez-nous à prendre une décision pour nous capables de mettre en pratique tout ça ou même. Vous demandez pour nous mettre en pratique. Nous vraiment compter sur vous. Nous ne pouvons pas faire rien. Ni quoi que ce soit sans vous. Qui laisse nous? Côté nous sortir. Qui ça nous a fait? Bon, de quoi ce texte a déclaré dans Jean 15 là, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, oui. Nous sommes sans force. Et je répète cette prière de Josaphat. Nous sommes sans force. En 2 Chroniques 20, nous sommes sans force. Devant cette multitude. Ouais. Texte là dit Josaphat a commencé à frayer dans sa frayeur. Il consulta l'Éternel. En plus, nous peur, mais nous ne pas chercher présence. Si nous te cherchons, nous avons sauté plus bien, plus facile, plus correct dans la situation. Ça. Un moment ça n'a fait prier ça des monde qui n'ont bagaille pas capoter pour col mais par contre ça pour le faire aider le motiver pour venir déposer charge là à tes pieds et pour connaître vous même qui bon Dieu c'est vous même qui roi des rois c'est vous même qui seigneur des seigneurs c'est vous même qui dirige ciel avec terre qui fait toutes choses à merveille. Amen. Merci Seigneur parce qu'on parle et agit pour nous. Eh bien, continue de partager 12 minutes. Fais ça, non, fais ça. Pas qu'un bel beaucoup, pas fais ça. Si vous faites ça, vous faites une faute, vous faites une grosse erreur. Partagez les 12 minutes de bénédiction.
Eh bien, nous dans 2 rois 19, la vie du roi Ézéchias, et nous regardons Mayon qui titre la prière victorieuse d'Ézéchias. Nous sommes dans verset 9 à 14, ça qui va passer dans 2 rois 19 là. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Siraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits à la cause. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruits les ont délivrés? Gozan, Charan, Ritsef et les fils d'Éden qui sont à Telassar. Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Enad et d'Iva? Eh bien, tout droit ça y aller dans l'être là, oui. Nous sommes toute histoire ça y à la cause. L'abbaye toute histoire ça y dans l'être là. Et dans verset 14, là, on a Ézéchias fini l'être là bien. Et puis dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Après ça, il se retourné à la maison de l'Éternel. Là, il déploie l'être là devant l'Éternel. Et puis, il va adresser une prière à ce Dieu-là. Cette prière était une prière instante. C'est bon bagaille qui était attendre pour pita, pour demain, pour après-demain. De façon instantanée. Ouais, de façon instantanée. Parce que puis devant, monsieur était dans ouais son gros problème que vous gagnez. Après tout ça, vous fin fait. Pour voir ça venir carrément. Il vient attaquer plus que je l'ai attaqué déjà. Je dis, ah, mon problème. Et dans verset 3, il était dans Dimounio. Et il lui dit. Alors, ça, c'est les messagers que Ézéchias t'a envoyé. Et ce jour est un jour d'angoisse. Ézéchias a parlé de châtiment et d'opprobre. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et il n'y a point de force pour l'enfantement. Bien aimé, Samim, il y a une situation qu'on a vivre. C'est que Jean se décrit dans verset 3. C'est comme ça, oui. Situation est pour. Puis tu la prête pour sortir dans le passage. Et puis tu n'as pas de force. Pour capable de mettre le dehors. L'histoire ça dans la Bible, on vient relater dans Isaïe, dans le livre du prophète Isaïe. Là, nous venons dans Isaïe, chapitre 37. On a une histoire ça relater. Et dans verset 3, il dit même bagaille, un jour d'angoisse. Côté que nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Ézéchias vient comparer situation ça tant que son femme qui va coucher mais femme n'a pas de force pour le pousser vite là ouais qui danger ça gain là-dedans monsieur ouais faut que Jérusalem t'a délivré mais il pas de capacité ça pour t'a mettre le dehors monsieur ouais son situation importante et l'enjeu de cette affaire c'est une bagarre qui était très très importante. Parce que c'est soit la liberté nationale ou bien l'esclavage. C'est un oui. Soit aller en esclavage en bas, mais à Syrie, ou bien libérer. Ça fait que je fais une prière à l'instant. Même côté situation, je fais une prière. Zanmim, en plus, le monde mal comprend la prière. L'apôtre Paul parlait de la prière dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Quand il dit prier sans cesse. Mais quand il y a des gens qui malheureusement comprennent pour prier, il faut à genoux,
faut coucher, faut planer, faut sous sac. Un peu le monde comprend c'est sous sac pour prier pour un résultat. Mais quel rapport? Hein? Un peu le monde comprend tout. Depuis à prier faut faire des graines bien dures. C'est le sahoué bon Dieu. Non. C'est pas position nous qui est important pour bon Dieu dans la prière. C'est la disposition. Gen bagay ou genyen qui campe devant ou. Et c'est nous te comprendre ça. Nous t'a prié tout jour dans sa campe, oui. Nous t'a prié sans cesse, oui. Sou te bien comprendre ça. Pendant une douche là, ou te comprendre ça la prière, ou t'a prié parce que la prière c'est un dialogue avec le Dieu invisible qui est très proche, même si ou pas capable. Yeah? C'est ça la prière, oui. Ou t'as souvent la machine nan, ou t'as conduit, ou t'as fait grand route et ou t'as prié. Et pas seulement ça, non. Ou t'as dans le travail, ou t'as prié, oui. Oui. Ou t'as prié n'importe où. N'importe qui côté, ou t'as prié. Ou t'as prié n'importe qui l'heure. Ou t'as dit pour te faire prier minuit, prier 3 heures, prier 6 heures. De prier ça au centre du café, prier midi, si c'est pas eux-mêmes, on peut pas la prier. Monsieur dit, ça sont bagay instantané, pas qu'à ton pita. Je prie tout de suite. Monsieur conscient que son moment de crise, son jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, un jour de honte, et en pile fois, comme serviteur du Dieu vivant, nous vivons situation ça yo. Les wap vivent situation ça yo. Prends le temps pour capable prier. Prends le temps pour capable prier, attendez. Prier de façon instantanée. Ou a besoin de temps le spécial pour être un lieu de prière. Il y a plein de nous qui aiment une foule, qui aiment un lieu de prière. N'oubliez ce que Christ dit dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est là dans le secret. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. C'est vrai, c'est une époque d'angoisse qu'on va vivre. Une époque d'indifférence. Une époque côté un peu le monde vire de bas. Une époque d'humiliation. Côté que le monde qui partait même supposé à citer non. Il y a piétiné où. Son époque qu'on s'en va vivre là. Son époque où elle semble qu'on châtiment. Son époque difficile dans la vie. Où semble qu'on moun vie a passé au travers de la poussière. Non, vie a traîné dans la boue. Caractère, tempérament, tout a traîné dans la boue. C'est une époque qu'on s'en va vivre là. Et bien, on doit vivre pour ça. Pour qu'on ait une solution à ça, c'est prier. La prière doit être instantanée. Non seulement instantanée, mais une prière qu'on campe là-dedans pour un temps. Pour intercéder devant Dieu. Pour demander pour le racheter véritable noir ça qui campe devant là. C'est pas le monde qui a pu nous retirer le nom. C'est Dieu le Père qui a la capacité, le pouvoir pour changer ce mal en bien. Pour changer et transformer cette circonstance. Il faut retourner à la normale. Attendez, amis. Gloire à Jésus. Notre Dieu le fera. Car il est un Dieu bon. Il bat la main pour lui-même, pour tout bagarre bien marcher pour lui. Et pour petit Léo, dans la souffrance. A souffri. Non, bon Dieu va fonctionner comme ça. Bon Dieu tellement aimé, il pas d'accord pour lui bon et puis pour même pour nos misère. Pour nos angoisse, pour nos opprobre, pour nos châtiments. Bon Dieu va faire grâce tant des amis, prier qu'on y a et prier instantanément, prier avec instance, Kembela. Remettre charge là à l'Éternel. Gloire à Dieu, nous comptons oui papa. Parce que nous avons recours. Texte a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Merci, parce que tu es notre secours. Amen. La vie du roi Ézéchias, m'a intitulé la prière victorieuse d'Ézéchias.
C'est avec une chaleur fraternelle que nous prenons le temps pour nous capables de saluer dans le ça. Nous espérons que très bien, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si nous connaissons la terre est bouleversée, pas vraiment bien sous la terre. C'est ça nous connaissons. Mais nous espérons que tout le bagaille allait très bien, marchait très bien. Nous espérons que tout le bagaille est fait pour Jean-Bon Dieu décider là. C'était une. Alors, d'après une prière victorieuse, c'était une prière instante. Mais deuxièmement, nous aussi, c'était une prière sans réserve. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est le même verset 14 qui va nous montrer c'est quoi c'était cette prière. Quand Ézéchias reçut la lettre, cette lettre, dès lire la lettre là-bas, déjà dans verset 9, verset 9 à 13, mais verset 10 à 13, si vous voulez. Eh bien, il se montait à la maison de l'Éternel et il déploya la lettre devant l'Éternel. Ok? Il monta et déploya la lettre devant l'Éternel. L'autre monsieur de bon temps pour écrire une lettre d'intoxication. Un discours d'intoxication dit nègre vient causer dans lettre là dit Ézéchias vient causer lettre là tellement blasphématoire lui même fait monsieur connaît c'est bon Dieu qui veut me venir attaquer. Lettre là tellement gain blasphème là-dedans. Donc, les Ézéchias comprennent la portée, la profondeur de la portée de cette lettre. Parce que là, il n'y a pas de jouer. Il n'y a pas de bagage qui est très sérieux. Eh bien, Ézéchias dit, ah, c'est comme ça, ça est. Et il est allé porter plainte devant la Cour suprême. Ce n'est pas la Cour suprême des États-Unis, ni du Canada, ni de la France, ni de l'Angleterre, ni d'aucun des grands pays du monde. L'homme dit grand pays, c'est entre guillemets, oui. Parce que pays côté, mon a fait bombe, il a tué mon examen, mon a pas entré dans l'école, tué combien d'élèves, on va carrer le grand pays. Pays côté homosexuel, à vivre, voir des garçons campés dans la télévision, à marier. À bobo, on va carrer ça grand pays. Non. Mais nous carrer des pays qui développent dans le sens pas. Eh bien, chers amis, ce n'est pas la Cour suprême de ces pays-là. Quelqu'un a eu justice, veut, oui. Mais quelqu'un a eu tout bafoué justice là. Mais Ézéchias s'est allé devant la Cour suprême du royaume de Dieu. Bien, nous sommes allés chercher une réponse. Parce que cette lettre d'intoxication, cette lettre blasphématoire, Ézéchias connaît pas qu'à répondre à la lettre là. Il n'a pas la réponse. Ça qui me dit, c'est pas tout bagaille côté mon parler pour que tu parles tout, parler, ou parler trop. Gardez le silence pour parler pour. Ou parler trop. Parce qu'il était là pour parler, ou même si tu as parlé d'où, il faut une lettre pour ouvrir. Mais ce n'est pas toute lettre qui a une réponse pour vous. Il y a des lettres. C'est seulement bon Dieu qui a une réponse pour vous. Il y a des lettres, c'est seulement bon Dieu qui a une réponse. Là. Lettre ça. Ce n'est que la Syrie. Vous voyez, pour roi d'Assyrie, il voyait par Ézéchias. À côté, monsieur, j'ai une réponse pour lettre ça. Bien entendu, telle lettre, telle réponse, il t'a supposé voir une réponse. Mais monsieur remarquait que le pagaille réponse là,
Il y a des lettres qui viennent jouer dans le monde. Lettre là-bas viennent pour l'autre bagaille. Ils viennent pour le détruire, entendez? Il y a des messages au monde voye ba ou. Il y a des paroles au monde voye dire. Il va voye dire dans l'autre intérêt, dans l'autre sens. Il voye dire parce qu'il a besoin de détruire. Détruire qui ça? Il a besoin de détruire paix. Ou pas de vous finir dans des paroles ça ou bouleverser? Ou pas de paix encore. Les besoins détruit joie ou retirer la joie dans le cœur. Qu'on a même sous là au présent, tout le monde content, tout le monde gagne joie en dedans. Même contentement ou pas gain. Même réjou, pas qu'à réjouir, pas douce la joie pour ta gain en dedans. Ou pas gain la paix intérieure. Ou pas gain la joie. L'être ça qui vient, c'est pour détruire l'utilité. Pour il faut passer comme un inutile. Il y a un monde qui ne vaut rien. C'est pour ça, oui, le diable utilise le monde, il veut un message ça va où. Pour le force à le faire là. Et il y a des gens, l'elfine force à le faire là. Ou il mourit dans un petit coin, de rendre l'eau, crier, ou un mouet, qui est presque fini. Lui, là, les oui. Il est tellement à l'aise, il a mangé, il a boué, il a pris plaisir. Tellement à l'aise. C'est où? Qui va dans la bataille? Mais il est à l'aise. La l'aise. Zamim, zamim. Pas quitter ça, Ivo. Pas quitter ça, Ivo. Attendez. Pas quitter l'aide sans recevoir. Mais ça, ça vient de nous. Moun ça dit causer ça. S'entendez, il dit soua. Pas quitter le détruire. Pas quitter le retirer joie. Pas quitter le retirer peur. Pas quitter le fort passer pour mon inutile, retirer utilité. Pas quitter le racher confiance dans mon Dieu. Son l'homme qui font ça, son monde qui font lui. C'est pas bon Dieu. Toujours placer confiance dans mon Dieu. Parce que monsieur voye là, by Ezekias là, rap chaque vini, rap li, c'est pas l'autre bagay qui est là d'elle, non? Un seul bagay qui est d'elle. C'est pour le faire pas croire dans bon Dieu encore. Parce que il même allait très tellement loin. Il dit d'ailleurs c'est l'Éternel même qui voye m'vin attaque. Pour te penser c'est comme ça m'vin. Moi je vois un message dans l'Éternel pour m'vin attaque. Monsieur, bon Dieu qui veut m'vin attaque. Je me dis nous ça déjà, il y a des gens qui pensent à faire travail bon Dieu. Malheureusement pour eux. C'est travail de diable à faire. Hein? Des gens qui proposent défenseur de l'évangile, ceux qui défendent l'évangile. Et bien, sous la pensée à sous la gens pensé à l'évangile, ils défendent l'évangile là. Mon cher, proverbe la guerre, je vous le dis dans pour c'est sous bon ennemi qui est force. Il y a des gens devant eux, malgré qu'ils connaissent les bagailles mal à faire, ils soumettent tête à tête devant eux. Mais ils sont des petits malheureux, c'est sous eux qui force à eux, c'est sous eux qui défendent l'évangile. Hélas, monsieur. Hélas pour vous. Pas quitter ça, retirer confiance dans bon Dieu. Placer confiance, entendez? Dans bon Dieu. Quitter là, quitter l'intact. Même si vous saccagez, quitter confiance intact dans bon Dieu. Le roi de Juda l'a déployé, l'être là devant l'Éternel. Alléluia. Quelle bonne attitude! Là, il connaît fardeau, pas qu'à manger, pas qu'à porter trop pour lui. Il dit, hé, moi-même, c'est pas moi. Là, il remet fardeau à l'Éternel des armées. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Alléluia. Il déployait l'être là. Bien, tout ça que l'État M. Finlio. Et puis qu'on y a là permettre l'Éternel dans un certain sens. Bon Dieu, t'inquiète, qu'on est bon Dieu omniscient et qu'on toute bagaille net. Là permettre bon Dieu pour le ouel être là, pour lire ça qui dit dans l'être là. Et lui-même pour le bail réponse. La belle bagaille, monsieur, laissez bon Dieu qu'a bail réponse pour vous. Amen. Zamim, ou bat contre op, quitte bon Dieu répondre. Ou pas qu'à répondre à la provocation, ça ouvre l'être là. Quittez bon Dieu répondre. Se déploie l'être là devant l'Éternel, il ouvre. T'as qu'on soit symbolique. Il dit dégage-toi, lis ça pour eux. Gardez, lis, et puis, ou avoir une réponse. Allez.
et l'Éternel des armées. Pral bay réponse, n'a pas le ça bientôt. Bon Dieu pral bay réponse. Est-ce qu'on quitte bon Dieu dirigé par yo? Est-ce qu'on remet son à l'Éternel? Et pour quitter le dirigé ou? Bien, remettez vos sorts entre les mains de l'Éternel, votre sort entre les mains de l'Éternel, et puis quittez le dirigé par vous, quittez le prendre initiative, quittez le prendre décision, quittez lui même faire ça la faire. Attendez? Quittez le faire ça la faire. Quittez le faire ça la faire. Quittez le faire ça la faire. Nous connaissons des gens qui ont écrit des propos diffamatoires contre vous. Nous connaissons des gens qui ont calomnié vous. Qu'on ait des monde qui a fait des ragots pour y sur vous. Quelquefois, pour finir avec vous, salou, pour qu'un côté pas j'aime qu'à présenter. M'vive qu'à ça, on pile moi, on tente de yo, mon abdi yo, gom bien des mecs qui a raconté nous. Jean, dans la famille, yo raconte un paquet de bagailles sous lui. Ben, il pas j'aime qu'on ait qui vrai, et puis qu'on a tout le monde abandonné, yo lagué, yo viré de Bali. Parce qu'il a tente des bagailles mal de lui. Ou qui a subi même situation, c'est une lettre blasphématoire, une lettre diffamatoire qu'on recevoir, une lettre qui l'a pour calomnier, c'est lui. Il a chuchoté des bagailles, bah des rapports diffamatoires contre vous. À l'égard de toute bagaille, ça, vous faites un coup Ézéchias. Prends lettre là, remettez-le devant l'Éternel, déployez-le, quittez bon Dieu, lis lettre là. Quittez l'Éternel, lis lettre là et quittez le printemps lui-même pour l'écrire réponse là. Vous n'avez pas la réponse. C'est bon Dieu qui a réponse là. Il a bien répondu. Parce qu'il est Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omniprésent. Des bagages qu'on pas connaît, qu'on ne paye. C'est la bon Dieu. C'est lui qui a répondu. Amen. Alléluia. Père de gloire, nous bénissons. Parce que nous connaissons la réponse lettre là déjà. Ou va faire réponse lui, ou va quitter l'être là comme ça, non? Ou va faire réponse parce que c'est bon Dieu. Merci en pile. Amen.